Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve en ce dimanche matin, donc pas dans ma salle de bain pour changer, mais en voix off. Donc là je vous ai mis une petite photo de nous cinq parce qu'on était prêts à faire la fiesta, puisqu'hier en fait on a, ça y est, célébré les 50 ans de mon mari. Donc on est allés tous au restaurant avec sa famille, c'était un très joli moment, hein. Comme je m'y attendais. Donc j'ai essayé de faire des petites vidéos, des petites photos. Alors bon, vous savez que moi je tiens à mon anonymat, à celui de mes enfants, et je veux surtout pas imposer aux convives d'avoir leur tête en exposition. Donc j'ai fait mon maximum. Mes parents nous avaient gentiment prêté leur voiture, puisqu'on n'a plus de voiture. Donc, faut quand même aller au restaurant, si on va au restaurant. Au niveau du budget, je vais vous mettre la bulle. J'en ai eu pour 560 et quelques euros pour les menus, donc enfants et adultes. En sachant que dans les menus, il y avait un dessert, mais c'était un dessert à l'assiette. Et nous, on voulait un gâteau. Donc, on a demandé au restaurant de nous faire un gâteau avec une plaque, une inscription. Et on leur a demandé un geste par rapport au menu, si on retirait les desserts, mais bon, ils ne pouvaient pas, parce que là, c'est comme ça. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils nous ont les desserts, ils nous les ont emballés et on a pu les ramener chez nous. Alors, c'est un restaurant où tout est fait maison, donc il n'y a rien de décongelé. Donc, on va les manger à midi. Et puis, je vais en congeler également, il y a deux baba au rhum, je vais en congeler deux. Et ça nous fera notre dessert de Saint-Valentin, parce que j'ai commencé à réfléchir à la Saint-Valentin. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais acheter? Je regardais un peu chez Picard, parce que tous les ans, ils font des trucs un peu sympas. Et puis, je me suis dit que déjà, 2024, c'est l'année de l'épargne, donc on va essayer de dépenser. Et en plus, je me suis rappelée, alors il y a Nathan à côté, hein, qu'il y avait beaucoup de fruits de mer que j'avais achetés à Noël, qui restent dans le congèle. Vous savez, j'avais pris des demi-tourteaux en super promotion, etc. Donc, on va servir. On fera un plateau de fruits de mer et on a le dessert. Donc, le repas de la Saint-Valentin n'est plus à faire. Il est déjà congelé. Voilà. Bon, écoutez, je vous laisse tout de suite avec des vidéos de la journée d'hier. Des bisous! J'espère que ça va tenir. On a mis de la laque. On verra. Ouais. Alors, le sac de maman pour le resto. Ça, le gel hydroalcoolique. Là, le chargeur. Les mouchoirs. Et ça. Voilà. Hop, on est prêt, Tristan. Okay. Il fait froid, mais il fait beau. Ah, tu me montres, toi, t'es beau avec ta petite cravate. Oh, on va mettre la chemise? Oui. On va chercher la chemise? Salut. Allez, on y va. Vas-y, petit bout. Elle est dans mon cœur, elle est là dans la salle de jeu. Elle est là, la chemise. Oh, elle est jolie. Qu'est-ce qui va être le plus beau? C'est toi. Ah, t'es super beau, là. Toi, t'es toujours super beau. Bon, alors, c'est parti avec la voiture de près. Ça va, les chouchous? Thank you.
Ça passe vite. Quand tu auras 51 ans, tu penseras plus. Non mais c'est normal, mon chat.